Yo tout le monde, c'est Monsieur Raptor. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Scribble Notes Unlimited. Salut la Starit. Est-ce qu'il y a de... Ah mais non, j'ai déjà fait ça. Donc, passons au vue Starit. 1-1-8-8, c'est bon. Donc, on doit se barrer. Hop là. On est sur l'épisode 3, si je ne m'abuse. On va essayer d'avancer un max. Donc là je venais du musée. Allons faire un tour là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? La caserne de la capitale. Ça a l'air sympa. Alors bienvenue à la caserne de la capitale. C'est qu'il y a pas mal d'étages ici, dis donc. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi mon petit chien? Je dois avoir la tête de l'emploi pour être un vrai chien de caserne. Pichonner déjà. Ah, j'étais un objectif. Non. Créer un objet. Casque de pompier. On va lui faire une tête de chien. De chien de caserne. Voilà. Là, t'as la tête de l'emploi, ma gueule. Alright. Ok, là, y'a rien. Ça, c'est la barre de machin. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Aide-moi à tester toutes les alarmes. Pardon? Ah, tu as peut-être besoin d'une échelle, mon petit. Échelle? Yolo swag. Putain, grimpe, faut rien. What? What? Comment je fais pour la tourner? Ah. Ok, on va essayer. Grimper. Bouge pas. Mais il est con, lui, ou quoi? Bon, eh, hein, merci. Voilà. Tu veux tester tes alarmes? Tu prends un briquet, man. Amadou? C'est quoi ça, Amadou? Ok, mec, j'ai rien compris. Retire-moi ça. Je l'attrape en plein vol. Énorme. Ah, attendez, c'est entrée? Ouais, c'est ça, entrée pour créer un objet. Cool. Briquet, donc. Briquet à carburant. Tiens, teste tes alarmes, mec. Mais quoi, t'es con ou t'es con? Ah, et tu vois? Ah, faut que je fasse ça. Ok! Bon, on va le ranger dans le sac alors. On va aller voir le reste du coup. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Ok, qu'est-ce que tu veux, toi, M6? Je dois réanimer le mannequin. Oh, tu dois réanimer le mannequin? Défibrillateur. Défibrillateur. T'es un cadeau. C'est un vrai mannequin en plus. mannequin de crash test actif. Ok, d'accord. Que veux-tu, toi? Les gens disent que j'ai des problèmes. Qui peut m'aider? Ah, tu es donc un pyromane. Voler. File-moi ça. Espèce de tête de nœud. Ruine flambante. Merde, comment ça s'appelle? Tuyau. De pompier. Ça va marcher ça ou quoi? De papier. Oui, bien entendu. De zombie tuyau. De zombie. What? N'importe quoi. Hein. Bon alors pas ça. Tuyau. Merde, y'a pas d'apostrophe. D'arrosage. Oh mais faut le relier à quelque part en plus. YOLO! YOLO! Pardon. Ok. Donc tu vas prendre ça. Ramasser. Merci. Et de l'autre côté, tu vas. Bouche. Non, comment ils l'ont appelé à gauche? Comment ils ont appelé ça? Bouche d'incendie, ok. Ok, bouche d'incendie. Voilà. On met ta gueule. Et ça, tu le relis ici. Ça marche ou pas? Wow! What? 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 Mais c'est pas ça que je voulais faire, quand même. Non mais retire-moi ça, ça c'est de la merde ça. Eh mais c'est pas mal ça. Tu crois que ça éteint le feu?
Oh yeah, motherfuckers! C'est bon, t'es content? Les gens disent que j'ai des problèmes. Qui peut m'aider? Pyromane sans feu. Ah, sans feu! Ah, mais en fait, faut aider un pyromane à cramer des trucs! Mais vous êtes des grands malades! Bidon. D'essence. Ça marche? Oh yeah, motherfuckers! Putain, c'est pas un bidon ça, ça. Ok, non. On va éviter. On va éviter les explosions. Briquet, du coup, comme l'autre. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pyromane sans feu. Mais j'ai pas compris, mec. Grimper? What? Eh, c'est swag. Ok. Voler. Brûler. Donner. Putain, t'as un feu, t'as un briquet. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Eh, tu sais quoi? Homme-flamme. Homme-femme. Ah, oh, dégueulasse. N'importe quoi. Feu de camp. Tu sais quoi, mec? Crame. D'accord? Va mourir. Aïe. Tiens, crève. Bon, attends, c'est trop long. Un chargeur. C'est cool, ça. Arrête de faire genre le mec, là... Mais il crame tout le monde avec sa merde, lui. Merde, c'est l'autre que j'attaquais, du coup. Je vais mourir, mec. Mais genre, il crève pas. Mais il crève jamais, ce con, quoi. Eh ben, quand même, c'est pas trop tôt. On devient rouge si des fragments deviennent inaccessibles. Initialise le niveau avant de tenter de récupérer ces fragments. Mais je ne peux pas les récupérer. Bon, attendez, on va faire initialiser. Ça se trouve, c'est parce que c'était un bug et tout, et voilà, et YOLO, soit gay, ouais, bref. Ok, bref, moi j'ai envie de... Quoi? Ah non, mais c'est bon. On va faire celui-là, c'est pas grave. Change de... Merde, j'ai pas vu. Besoin d'un break, c'est parti. YOLO SWAY. Oh yeah. Oula, il s'est passé quoi ici? Ok. Tous les véhicules de la caserne ont utilisé cette voiture de devenir un camion de pompier. Commence par la peindre. Non, oui, man. C'est lui le peinturier. Non, pardon. Le peinturier. Palette de peinture. Palette de centaure, bien entendu. Palette peinte. Tu me casses les couilles. Au revoir. De peinte palette. Oui, d'accord, ok. Pinceau. Et trois larges. Large. Ok, donc le mec peint la bagnole sans peinture. Tout à fait normal, voilà. Maintenant la voiture doit se faire entendre. Donne au DJ quelque chose de bruyant pour équiper sa voiture. Klaxon. Mais non, putain, je voulais lui ajouter un adjectif, fuck. Ah. Le pompier est prêt à partir, donne lui un outil qui l'aidera à effectuer le travail. Pardon? Pour combattre le feu. Ah, arrosoir, mec. Ah merde, je pensais vraiment que ça allait marcher. tuyau de pompier. Merde, je crois que ça marchait pas ça en fait. Tuyau de papier, bah oui, non, ça, c'est des connards. Tuyau d'arrosage. Tiens, mec. Ok, et ça lui va en plus. Hello, swag. Il y a beaucoup de trafic, aide la voiture à passer cet embouteillage. What? Ah, je sais. Oui, mais je peux pas faire de... L géante. YOLO swag, mec. Normal. Un camion de pompier volant. Tout à fait normal. Donc. Oh yeah. Ça arrête au total 6. Continuez. C'est bon ça. Alors, ça c'était fait. Elle. Quoi, elle marche toujours pas? Arme incendie sans charge. Pardon. Aide-moi à tester toutes les armes. Attendez, on va recommencer celle-là vite fait pour voir.
Ah, j'ai toujours mes ailes là-dedans. Cool. Alors, tu prends le briquet, tu mets là. Oui, elle fonctionne. Donc il faut que je monte à l'étage suivant. Donc on va aller voir là-haut. Ok, d'accord. Et ensuite là-haut. Elle ne fonctionne pas celle-là. Brûler, remplir, alarme incendie sans charge. C'est le calepin, ajouter un adjectif, 9. What? 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 Réparateur. Électricité mécanique, ingénierie, mécanique. Merde. Oh merde, j'ai mis dedans. Vidé. C'est dégueulasse. Pauvre réparateur. Eh ben voilà, ça marche tout ça. Cool. Retirer. Ok, je sais plus où je l'ai mis. J'ai dû le mettre dedans. Bah voilà, t'as, comme ça t'as un réparateur attribué. Dès que ça marche plus, tu le sors du truc. Ok. C'est dégueulasse. Ce bœuf a besoin d'être attendri avant qu'on le fasse cuire. Pour attendrir un bœuf, on n'est pas censé taper dessus, je crois. Marteau. Non, pas marteau. Marteau. outil métal, outil bois. Non, métal. Truc de bâtard. J'ai pas fini. J'ai le calepin, j'ai un adjectif. Gros. Tiens. Alors, c'était bon ou quoi? Right. Toi, bon, non, toi, c'est un autre truc chelou. Quelle heure est-il? Je peux rentrer à la maison? Il est l'heure de t'acheter une montre. LOL. Bracelet. Comme ça, tu viendras plus jamais me faire chier. Ok. Toi, qu'est-ce que tu... Bon, on va aller faire lui. Aide les survivants à se défendre contre l'invasion de zombies. What? Tout ceci dans une journée normale à la caserne de pompiers. Narmol. Ok. Ok. Pourquoi elle chiale, elle? Ok, la ville est envahie de zombies. Chaque survivant a besoin d'aide. Commence par aider le docteur pour qu'il traite les blessures du pompier. Aide-moi à guérir ces blessures. Oui, je fais comment, connard? On va faire... Oula, comment s'écrit pansement? On va écrire bandage. Plein d'événements qui vont. Lui vont, mais les chapons ont une seule taille et vont à tous. What? C'est un bandage, ça? J'ai pas compris. Hein. Ok, j'ai pas compris ce qu'ils entendaient par bandage, mais c'est pas grave. Pansement. Ça s'écrit pas comme ça? Ouais, non, c'est avec un. Ouais. Pansement, œil, générique, suture, générique. Tiens, mec. Right. Genre. Trrr. Je vais bien. C'est le rêve du joueur. Donne-lui quelque chose pour contrer la horde. Bat de baseball. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Connard. L'orpheline est très secouée. Elle a besoin de quelque chose qui saura la calmer. Sérieux? J'ai trop peur. Fais en sorte que je me sente mieux. Crée un objet. Seringue de morphine. Ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Morphine. Ça marche. Ça marche en plus. Alors t'as va se droguer. Le soldat est convaincu que quelques objets peuvent être combinés pour créer une machine de guerre. Place 3 objets dans la boîte pour construire un mecha. Tout à fait normal. Alors, non, ça s'appelle un minigun. Un minigun. J'ai jamais compris pourquoi, dans la logique des choses, ceci s'appelle un minigun. Je crois que c'est l'arme la plus grosse que j'ai jamais vue au monde. Voilà. Ensuite... Non mais il en faut 3 des objets, pas hein, non? Tu as ajouté quelque chose pour aider le mecha à se battre contre les zombies. Oui, je suis au courant. Ensuite... lance... roquette. Artillerie... Ah, nucléaire, c'est pas mal ça. C'est... Oh putain! What the fuck? Une arme a déjà été ajoutée. Et alors? D'où tu fais des pompes, toi, bâtard? Non, la puissance d'attaque de la défense et de la mobilité. Ah, ok, alors... bouclier. Une arme a déjà été ajoutée. Est-ce que tu te fous de ma gueule?
Ils ont parlé de défense, tête de nœud. Jambes. C'est dégueulasse. Et de la défense. Champ de force. Alright! Je suis trop fort, man. Easy money. Et sinon, ça marche ou bien? Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Je pourrais utiliser tout ce qui est fait de métal ou quelque chose de collant pour combiner des objets. Alors, glue. Oui, glue. Merde, y'a pas de. Je suis con. Glue. D'accord. Tout ce qui est fait de métal. Vis. Métal. Tu as ajouté quelque chose de solide pour faire le corps. Bien entendu. Ça avait très beaucoup l'air d'être ça. Alors ça, on va le jeter du coup. Ça, c'est pas censé être une arme, mais c'est pas grave. Ça, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Ah bah oui, mobilité. Roue. Non, merde, comment ça s'appelle déjà? Chenille. 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 Non, mais pas celle-là, chenille, connard. bon bah des roues alors. Roue. Outillage. Nope. pneu. Voilà, mobilité. Swag, tu as ajouté un pneu de mobilité au méca. Un peu de mobilité. Ok. Et ben voilà, tu vois quand tu veux, man. La caserne doit être évacuée et distrait les zombies pendant que les survivants s'échappent. Entre dans le méca quand tu seras prêt à commencer. Ça va être violent, ça. Oh. Il y a le swag, mec. Ok, pourquoi je ne peux pas. Normal. Normal. Non mais ça en fait ça se met là dessus mec en fait. What, ça a tout pété. Ah, toi tu vas te calmer s'il te plaît. Toi tu dégages. Voilà, merci. Toi tu montes là dedans. Mais non, pas là dedans. Tête de nœud. Comment je fais pour entrer dedans? Ah bah d'accord, ok. Bolos. On le one shot. Non, pas voler, non. Attaquer. 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 C'est violent ce que je leur mets. Oh là là. C'est quoi ça? Saute dans le méca pour commencer l'évacuation. C'est ce que je viens de faire, connard. Attaquer. Et je suis dedans, pourquoi les gens ils se barrent pas? Pourquoi l'autre connard il est toujours en haut là? Il devait pas rentrer chez lui d'ailleurs. Ça a l'air sexe, hein. Oh, ça c'est fait, c'est swag, c'est... Oh putain, il saute le truc et tout. Trop, trop magique. Bon, attaquez vos mères. Voilà, merci, au revoir. What? 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 Pourquoi? Mais non. Bon, attendez, on se retrouve quand j'ai refait le truc. Voilà, enfin une bonne chose de faite. Yeah. Starite au total 8. Ça c'est bon ça. Niveau débrouillé, va voir Lily. Ok. On va voir Lily alors. Bonjour. Patch et son cerf-volant. What? Ok, tout à fait, bien entendu. C'est qui lui? C'est Patch. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Vas-y, mais l'autre il est tellement petit qu'il s'envole avec son cerf-volant. Mais il est sérieux lui. Ok, allez. Alors, il faut qu'on se fasse, celui-là on l'a pas fait. Et on le fera au prochain épisode. Bon, sur ce, c'était bizarre cet épisode. C'était très bizarre, avec les zombies et tout, c'était swag, mais c'était bizarre. Je vous rappelle que pour participer au concours, c'est dans la description, il faut suivre à la lettre, et je précise bien à la lettre, les instructions qui sont dans la description. Je vous rappelle qu'il y a 5 Humble Bundle spécial Team 17, donc avec que des Worms dedans. Avec des Worms, des jeux Worms à gagner sur Steam. Donc voilà, n'hésitez pas à partager un petit peu le concours, etc. Et à donner votre avis sur la série aussi, si vous voulez, dans les commentaires. Sur ce, je vous lèche. Voilà, à la prochaine. Ciao, ciao. Et attendez, avant ça, on va faire pigeon. Blanc. Moi je veux retrouver mon pigeon YOLO Swag. Alors attendez, on va faire
Adjectif, pardon. Géant. Parce que vous m'avez proposé un truc dans les commentaires en fait. Géant. Rapide. Et. Ta mère. On m'a proposé un truc. Ah oui, non, attendez. Monter. On m'a proposé un truc pour. À mettre plutôt que de rapide, etc. D'abord, on va recréer notre sabre laser rouge. Énorme. C'est bon ça. Et maintenant, on va lui ajouter l'adjectif, pardon. Qui apparemment fonctionnerait. C'est supersonique. Ok, ça c'est bon ça. Easy money. Ah, c'est bon ça. Right. Bon allez. Du coup, ça on va faire descendre. Par contre, toi tu vas aller dans le sac parce que je veux te garder. Voilà. Et ça on va faire retirer. Et toi tu vas aller dans le sac aussi. Vas-y, tu fais quoi toi? Vas-y, tu fais quoi toi? Voler. Opéra. What? Ok, donc apparemment elle avait besoin d'un sabre laser rouge géant. C'est une bonne nouvelle. A la prochaine. Ciao. N'importe quoi ce jeu.